Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Lorsqu'on demeure dans le Christ, que peut-on demander sinon ce qui convient au Christ? Que peut-on vouloir quand on demeure dans le Seigneur, sinon ce qui n'est pas étranger au salut? Nous demandons une chose parce que nous sommes dans le Christ, mais nous voulons autre chose parce que nous sommes encore dans ce monde. De fait, que nous y demeurons, nous sommes parfois tentés de demander ce dont nous ignorons que cela nous est nuisible. Mais chassons l'idée que nous obtiendrons cela si nous demeurons dans le Christ, car il ne fait ce que nous lui demandons que si cela est bon pour nous. Mais si nous demeurons en lui, parce que ses paroles demeurent en nous, nous demanderons tout ce que nous voudrons et nous l'obtiendrons. Chers frères et sœurs, cette homélie nous présente donc cette parabole de la vigne véritable. Comme nous le voyons dans les villes, nous en avons de nombreuses dans notre pays, et il y en avait autrefois beaucoup en Bretagne, et il y a même des projets qui permettront d'avoir à nouveau de la vigne en Bretagne. Et sur cette vigne, on greffe des sarments. Et c'est la sève qui monte dans ces sarments, qui soude d'ailleurs ce sarment à la vigne et qui donne la vie à ce sarment qui lui permet de porter du fruit. C'est une image spirituelle. Qu'est-ce qui nous permet d'être ce sarment uni étroitement à la vigne, de façon de faire qu'un corps avec elle? Eh bien, c'est évidemment la prière. Mais une prière, comme nous l'avons entendu vers la fin de cette homélie, où il ne s'agit pas de demander des choses selon l'esprit du monde. Dieu, ce n'est pas un serviteur que l'on appelle pour venir faire nos quatre volontés. Le Christ ne peut pas nous accorder ce qui est nuisible pour nous. Il ne peut, évidemment, il ne nous donnera que ce qui est bon. Et souvent dans nos prières, d'ailleurs, nous heurtons au fait que nous demandons des grâces, et parce que nous n'obtenons pas ces grâces, parce que notre volonté veut ceci, veut cela, non pas que lorsqu'on demande une guérison ou un soulagement, ce soit illégitime, mais notre façon de le demander n'est pas juste. Il y a un mystère. Pourquoi vivons-nous telle ou telle épreuve, telle ou telle difficulté? Pourquoi le Seigneur permet que nous soyons secoués par les choses de la vie? Eh bien, parce que les épreuves révèlent ce que nous sommes réellement dans notre humanité. Elles révèlent combien nous sommes attachés à notre personne. Elles révèlent combien notre orgueil et grand, combien nous manquons d'humilité. Il y a quelque chose de mystérieux, c'est que le Seigneur, en étant cette vigne, et nous les sarments, ça veut dire qu'il fait corps avec nous aussi. Nous faisons corps à la vigne, comme cette homélie nous l'explique, mais lui aussi fait corps avec nous, ça veut dire qu'il partage absolument tout ce que nous vivons. Et cela jusqu'à la fin des temps. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment ce Dieu permet? Parce qu'il peut aussi nous éviter que nous vivions certaines épreuves. Mais s'il permet, c'est que sa grâce nous est donnée. Une grâce qui nous permet de nous éclairer, de nous donner la force, de nous apporter la paix, de nous apporter une consolation. Mais évidemment, si nous sommes dans la révolte, si nous sommes dans toutes sortes de réactions parce que nous ne sommes pas exaucés, alors
nos souffrances deviennent insupportables. Il a dit lui-même, mon joug est doux et mon fardeau léger. Mettez-vous à mon épaule, car je suis doux et humble de cœur. Et cette douceur et cette humilité, il nous la communique. C'est mystérieux, n'est-ce pas? Mais évidemment, notre façon de concevoir les choses de la vie sont totalement différentes de celles que le Seigneur nous propose de connaître. Et c'est justement parce que nous sommes unis par le baptême à lui, à sa vie, lui qui est Dieu, lui qui est devenu homme avec nous, sa vie divine dans les épreuves, plus coûte que toute autre chose passe en nous. Alors la prière, bien sûr, il y a la prière quotidienne, où nous faisons silence, où nous nous mettons dans sa présence, où nous nous nourrissons de sa parole, nous nous nourrissons aussi de son corps et de son sang à travers l'Eucharistie. Mais lorsque nous sommes affligés, et nous sommes souvent affligés, d'une manière physique, morale, voire spirituelle, et parfois même les trois à la fois. Et il nous faut vraiment faire cet acte de foi pour savoir, sentir, avoir la certitude même que Dieu est vraiment avec nous, que tout ce que nous vivons ne lui est pas étranger, qu'il est vraiment, qu'il vit la même souffrance que nous. Imaginons ce Dieu d'amour qui a accepté de s'unir à chacune de ses créatures. Faut-il que cet amour soit, et cette miséricorde soit absolument infinie? Ça dépasse absolument tout ce que nous pouvons imaginer. Mais la foi nous fait entrevoir ce mystère. Ce dimanche de la vie véritable va nous aider à comprendre combien nous sommes un avec lui et combien il est un avec nous en tout et pour tout. Et comme nous savons qu'il ne nous juge pas, qu'il ne juge pas nos chutes, qu'il ne juge pas nos faiblesses, qu'il ne juge pas nos péchés, parce que lui-même a accepté d'être péché avec nous. Il a accepté d'être faible avec nous. Il a accepté d'être dans cette grande pauvreté spirituelle avec nous. La différence, c'est que nous, nous sommes parce que nous sommes pécheurs. Lui, il est devenu pauvre et misérable parce qu'il est l'amour véritable, l'amour à l'origine de toute chose, l'amour divin. Et cet amour, il veut nous le faire partager. Et nous pouvons le rejoindre là, justement, où nous avons mal, là où nous sommes pauvres, là où nous sommes misérables. C'est étrange, n'est-ce pas? C'est le grand mystère de la croix qui s'ouvre à nous. Et lorsque nous acceptons de se laisser rejoindre par lui, il ne s'agit pas de le rejoindre lui sur la croix, de se le laisser rejoindre par lui, de se laisser étreindre par lui, de comprendre que nos résistances, lorsque nous nous arc-boutons sur nos justifications, sur notre besoin de comprendre, sur notre esprit de victimisation, etc., eh bien, nous ne lui permettons pas de nous rejoindre. Et cela, parfois, nous paraît impossible de le faire tellement cette façon d'être nous est étrangère. Entrons dans le silence. Crions intérieurement, mais paisiblement, « Seigneur, viens à mon secours, aie pitié de moi. » Très sainte Mère de Dieu, conduis-moi, aide-moi. Et lorsque notre prière se fait aussi humble que celle-ci, alors le Seigneur ouvre son cœur tout grand et il nous étreint. Il peut nous saisir enfin, lui et sa très sainte mère. Il commence à ce moment-là ce qu'on peut appeler véritablement une vraie vie chrétienne. Une vie où le sacrement devient pleinement vivant, où la plénitude de la sève, de la vie divine, de l'Esprit Saint est en lui. Voilà ce mystère que nous méditons durant cette vigile et cette célébration de demain matin.